Bonjour, je suis Axel Crevoux et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des TechniNews. C'est juste après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, ce sont les informations que vous attendez tous, qui vous permettent de mieux consommer, de mieux être informé sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies, et bien entendu, d'éviter d'acheter n'importe quoi, d'en faire n'importe quoi, et de polluer encore plus cette planète qui en a bien besoin, je vous le rappelle, à chaque fois. Vous le savez, nous sommes disponibles aujourd'hui sur Radio CNRV, sur toutes les plateformes de musique en ligne, Deezer, Spotify, iTunes, etc., etc., etc. Sauf Google Play, pourquoi ? Parce que Google Play n'est pas encore... Les podcasts Google Play ne sont pas encore disponibles en France. Et j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'un petit... c'est pas un pouce, c'est un clic sur « Je m'abonne à ma chaîne à moi, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube » avec « Cliquez sur la cloche pour être certain de recevoir les notifications ». C'est un super coup de main si vous faites ça, c'est un super coup de main si vous partagez, parce que ça me permet à un moment donné d'être de plus en plus connu et de continuer à faire ce que j'aime, ce que vous aimez, et de m'éclater, et c'est le but du jeu. Je commence aujourd'hui... Non, avant de commencer, je vous annonce qu'à la fin de cette capsule, je vous révèle un grand truc pour gagner beaucoup d'argent. Je vous promets, c'est vrai, ça me fait trop rire de faire ça, ça fait très cliché, ça fait très tout ce qu'on trouve sur le web et ailleurs, mais je vous promets que c'est un truc de fou. On commence tout de suite, sachez-le, et ça c'est une information qui risque de faire bizarre à mon épouse. Mon épouse a très très peur des requins, sachez-le. Oui, elle a peur des requins. C'est une espèce de phobie, et... Sachez que les selfies, vous savez, les selfies, c'est l'art de se photographier soi-même. Eh bien, avec son smartphone, évidemment, c'est arrivé avec les smartphones. Les selfies tuent beaucoup plus que les requins. On dénote, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui repèrent toutes les annonces de gens qui sont décédés à cause des selfies. Il y a 43 morts par selfie par an contre 6 avec les requins. Alors, c'est pas le fait de se prendre en photo, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc qui sort de votre téléphone et qui vous fait mourir, non. C'est juste la situation dans laquelle on se met qui fait qu'à un moment donné, il y a des accidents. Alors, en vrac, j'ai vu tomber sur les rails d'un train, accident de la circulation, chute d'une falaise, etc., etc. Bref, c'est super inquiétant. Donc, attention, quand vous prenez des selfies, faites attention à pas trop être absorbé par votre écran, parce que c'est ça aussi que ça fait un écran, c'est qu'on est complètement absorbé, on est complètement dans sa photo, dans ce qu'on veut faire, et on fait pas forcément gaffe. J'avais lu récemment un truc assez horrible, un jeune couple qui était en voyage de noces, et qui, le monsieur avait voulu prendre sa jeune épouse en photo au bord d'une falaise, et elle avait reculé pour la photo, et elle était tombée. Après, l'histoire ne dit pas si, quelque part, le monsieur l'avait pas un peu fait exprès. Mais bon, c'était relativement triste, j'ai trouvé. J'ai, en tout cas, non, pas moi, et je fais une spéciale dédicace à mon papa, il a trouvé une application qui est pas si jeune que ça, elle date d'il y a 3 ans déjà, l'application. Alors, je vous parle de cette application, elle s'appelle Appear In, je vous mets le lien en bas, vous allez dans tous mes liens, et vous allez trouver une application qui vous, un truc qui vous dit, rejoignez-moi dans mon bureau. Alors c'est quoi? C'est une application qui vous permet de faire de la visio, mais l'avantage qu'elle a par rapport à d'autres applications du style Skype ou Zoom, moi j'utilise beaucoup Zoom.us parce que c'est pour moi l'application la plus performante, la plus professionnelle, en plus qui vous offre 40 minutes de conférence gratuite avec quasiment autant de personnes que vous voulez, donc c'est absolument génial. Et puis quand vous avez fini les 40 minutes, vous déconnectez et vous reconnectez. Mais toutes ces applications que je viens de citer, et il y en a d'autres, elles nécessitent l'installation d'une application. Alors que Appear In, c'est juste, vous créez votre compte gratuitement, vous avez votre compte sur votre navigateur Chrome, Safari ou autre, et vous avez juste à cliquer sur copier le lien, et vous envoyez le lien à la personne avec qui vous voulez converser, alors qu'il mettra sa caméra ou pas, mais c'est quand même l'objectif, c'est qu'on se voit, c'est qu'on soit comme dans la vraie vie en visio, et la personne a juste éventuellement, ce que j'ai constaté dans mes différents tests, c'est que la personne, à un moment donné, va devoir cliquer, oui j'autorise l'application, mon navigateur à utiliser le micro et la caméra, eh ben oui, mais sinon, c'est vraiment ultra simple. Par contre, je dis un par contre, c'est pour ça que je vous le mets, parce que je trouve que l'idée est géniale. Et l'idée est d'autant plus géniale que vous pouvez créer votre... Alors, ils appellent ça une chambre, une room, c'est tout en anglais. On va appeler ça un bureau, une salle. Vous créez votre salle, vous pouvez être jusqu'à 4 personnes dedans. Et une fois que vous l'avez créée, vous la fermez. Et la salle, je parle, hein, bien entendu, je ne me serais pas permis, qu'on soit bien d'accord. Vous fermez la salle,
Et là, vous partagez le lien, c'est ce que vous avez en bas dans mes descriptions, quand je vous dis « rejoignez-moi dans mon bureau ». Et là, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez et ça vous avez un bouton qui apparaît en disant « est-ce que vous voulez frapper ?» Le bureau est fermé, est-ce que vous voulez frapper ? Et là, vous faites « knock knock », c'est le bouton qui est comme ça, « toc toc ». Et donc, moi, je vais recevoir une notification comme quoi quelqu'un veut me parler. Et je trouve ça assez génial parce que c'est vraiment la possibilité. Alors, vous pouvez mettre, par exemple, des heures d'ouverture. Vous pouvez dire que tous les après-midi, c'est dispo ou tous les matins. Bref, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai pas mis de restriction parce qu'en fait, ben, comme je l'ai marqué, soit je suis là et je peux vous répondre, soit je suis en tournage, je peux pas vous répondre, soit je suis pas là, je vous répondrai pas, etc., etc. L'application est dispo aussi sur smartphone et sur tablette. Mais il y a un mais. Le premier mais, c'est si vous voulez aller plus loin. En termes de partage d'écran, je trouve pas ça top. Voilà, je vous le dis clairement. Utilisateur de Zoom, je trouve que le partage d'écran est pas top. Mais c'est pas l'avis de mon père. Donc chacun son avis. Et on a le droit d'avoir des avis différents. Mais hier, on a voulu l'utiliser avec une amie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un retour micro, un retour son qui était absolument hyper désagréable. C'est-à-dire que quand je parlais, je m'entendais dans ses enceintes à elle. Et ça, c'est un truc que Zoom gère à la perfection. Mais je l'avais testé avec quelqu'un d'autre et ça fonctionnait super bien. Donc, j'ai envie de vous dire, ça coûte rien, c'est gratuit. Parce que ça coûte rien, c'est gratuit. Donc, testez-le et puis mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse fortement. Facebook, toujours Facebook, il n'y a pas une TechniNews sans Facebook, c'est un truc de fou quand même, et on appelle ça les GAFAM, hein. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les géants qui dirigent le monde de des nouvelles technologies, mais ils ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Facebook lance Portal. Qu'est-ce que Portal ? C'est une enceinte connectée. Vous savez que tout le monde a lancé son enceinte connectée. Amazon a son enceinte connectée, Apple a son enceinte connectée, qui ne marche pas très bien apparemment, elle a un super son mais elle ne décolle pas. Qui a son enceinte connectée? J'ai dit Google, j'ai dit Amazon, bref, ils ont tous leur enceinte connectée. Alors Facebook, il s'est dit, je vais faire pareil. Facebook a lancé une enceinte connectée, et l'enceinte connectée, elle ressemble très très fort à un écran connecté. En fait, on a l'impression d'avoir une tablette, comme ça, pouf, posée, et c'est ce qu'ils appellent leur enceinte connectée. Alors évidemment, vous pouvez la piloter avec la voix, ok, c'est super. Vous pouvez faire pas grand chose avec, en fait. Vous allez pouvoir écouter de la musique, vous allez pouvoir converser avec Messenger, même avec des gens qui n'ont pas ce truc-là, vous allez pouvoir connecter, discuter avec eux sur Messenger. Cette enceinte, entre guillemets, permet de converser jusqu'à 7 personnes avec sur Messenger. C'est censé être super simple, mais c'est hyper méga limité parce que c'est uniquement limité à l'environnement Facebook. Et accrochez-vous bien, ça va coûter $350. Donc clairement, moi dans l'article que j'ai trouvé, tout le monde s'accorde à dire que peut-être que Facebook, ils ont sorti un truc qu'ils auraient peut-être pas dû sortir. Et là, je suis pas ok parce que en termes d'environnement, ben évidemment, on est sur un système d'entreprise qui va produire, mettre à disposition dans les magasins avant que les gens achètent. Et si ça se vend pas, ben ça finit où ? Ça finit à la poubelle. Donc il y aura sûrement des achats, j'imagine bien, mais honnêtement, personne n'y voit aujourd'hui vraiment l'avantage par rapport à une tablette, et les tablettes aujourd'hui vous en avez largement moins cher que 350 €, en utilisation simple à expliquer à des gens qui même ne sont pas très très bons en technique, puis s'ils sont pas bons en technique, vous me les envoyez, vous savez que j'ai une formation gratuite pour ça, donc n'hésitez pas. Donc j'en vois pas vraiment l'intérêt, mais bon, à suivre, ça s'appelle Portal, et c'est une soi-disant enceinte connectée qui ressemble très fort à un écran. Alors là, on va faire la suite de Microsoft tente de lancer une mise à jour de Windows et se viande lamentablement. C'est-à-dire, il y a eu le lancement, tout le monde l'attendait, enfin tous ceux qui sont sous Windows l'attendaient. Et puis, ils ont fait vite marche arrière, ils ont freiné les cas de fer. Pourquoi ? Parce que il y a des gens qui ont installé cette mise à jour et ils se sont retrouvés avec tous leurs fichiers effacés. Ouais, vous avez bien entendu, vous avez bien vu ? Non, entendu surtout. Tous les fichiers effacés. Alors, à l'heure à laquelle je vous parle, cette info a beaucoup évolué. La mise à jour a été arrêtée net. Bah ouais, parce que là, ça devient compliqué. Si vous perdez la moitié de vos données, c'est quand même chaud. Donc, la mise à jour a été arrêtée. Et puis, Microsoft a trouvé une solution pour que vous récupériez vos fichiers qui avaient été effacés. Parce que, petite parenthèse, quand les fichiers sont effacés, ils sont pas tout de suite complètement effacés. Il y a juste votre ordinateur qui donne l'information au fichier qu'ils vont pouvoir être effacés, mais dans un premier temps, ils ne le sont pas encore. C'est pour ça qu'on a des moyens de récupérer, je vous le dis, il y a des moyens de récupérer vos fichiers. Si à un moment donné, vous avez un disque dur, une clé USB ou quelque chose comme ça qui se met à fonctionner bizarrement, ou vous avez effacé par erreur, on peut récupérer même si vous avez vidé la corbeille, mais il faut aller vite. Aujourd'hui, à cette heure-ci, je peux vous annoncer que Microsoft vient de remettre en circulation la mise à jour, timidement. Un grand conseil, ne la faites pas tout de suite, attendez, sait-on jamais. Je vous l'avais dit il y a quelques jours, semaines, je ne sais plus trop, on s'en doutait, Google+, c'est officiellement
terminé. Ils ont commencé par fermer la page Google Plus en France. Tout le monde s'est dit bizarre en mettant un petit mot. C'était bien, c'était chouette, mais on arrête. Je fais des rimes, je vais me lancer à la poésie, moi. Qu'est-ce que vous en dites si je faisais des poèmes? Non, pas vraiment. Google Plus, c'est terminé officiellement. Et alors, ils ont pas été très honnêtes. Ils se cachent derrière une grosse faille de sécurité en disant on a une grosse faille de sécurité, du coup, on arrête. Mais tout le monde le sait, Google Plus, il y avait des adeptes, mais ça n'a pas vraiment décollé. Et c'est pas la première fois que Google essaye de venir jouer sur le terrain de Facebook. Et c'est là que je me dis, c'est bizarre, pourquoi chacun resterait pas un petit peu à sa place? Si Facebook faisait du réseau social, Google faisait de la recherche, faisait ses mails, faisait... Ils ont YouTube quand même, ça serait pas mal. Mais non, tout le monde veut une part de gâteau, donc tout le monde se met chez tout le monde, vous savez ce que j'en pense. Mais juste pour mémoire, Google s'est planté avec e-Google, je sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2005, c'était une possibilité de créer sa page d'accueil en mettant des petits modules, un petit peu comme si on créait un site internet, on pouvait mettre la météo, la bourse, les infos, etc. C'était super bien, puis du jour au lendemain, ça a disparu. Je vais citer aussi Google Reader. Google Reader, c'était une possibilité de mettre les flux RSS. Les flux RSS, ce sont des flux que certains sites internet génèrent pour regrouper à un seul et même endroit l'information dont on a besoin. C'est comme ça que je gère mes multiples sources d'informations pour vous informer avec des sources un petit peu plus rapides. Google Reader, ça a disparu. Il y a eu Wave. Wave, c'est une première tentative avec Buzz. C'est des premières tentatives de Google de venir contrer Facebook. Alors, on va voir ce qu'ils vont faire, mais a priori, ils ont quand même une grosse puissance de frappe avec YouTube, donc... On se dit que YouTube c'est bien, donc pourquoi ne pas continuer sur YouTube? Bref, en tout cas, c'est terminé pour Google+. Donc si vous faites du business et que vous êtes sur Google+, réagissez vite parce que ça va disparaître. Donc si je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, notamment des gens au Québec avec qui j'ai échangé récemment, qui ont une communauté sur Google+, eh bien il faut vite les inviter sur une autre parce que ça va s'arrêter. C'est une bonne nouvelle écologique, c'est de la technique, sans être de la technique, mais quand même, les véhicules électriques se développe de plus en plus, et là, il y a le fameux Vespa, vous savez, le scooter avec le scooter de l'époque des 50-60, magnifique, le scooter Vespa sort sa version électrique, et là, tout le monde est content, et puis tout le monde voit le prix et tout le monde pleure, puisqu'il va sortir à la modique somme de 6 390 €, là, ça devient compliqué quand même pour un véhicule électrique ou pour un véhicule en général, bref. Vespa, super sympa. Oh, je continue les rimes, c'est un truc de fou aujourd'hui. Je vais peut-être écrire un poème après quand même. Vespa continue à faire des choses super sympas, mais ça coûte extrêmement cher. Et j'en arrive à la fin de cette TechniNews et je vais vous annoncer à la fin de cette TechniNews, donc comme je vous l'avais promis, comment gagner de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Eh bien, vous lancez un jeu que tout le monde va s'arracher. Que tous les gamins, et même les moins gamins, vont jouer avec, vont passer des heures, vont s'abrutir dessus. Et là, vous générez 300 millions de revenus sur une seule et même plateforme, j'ai parlé de iOS, en 6 mois. Vous m'avez bien entendu, 300 millions de dollars, ou d'euros, je sais plus, non, 300 millions de dollars de revenus, de chiffre d'affaires, pour parler français. 300 millions de dollars de chiffre d'affaires en 6 mois sur uniquement la plateforme iOS, sachant que ce jeu est disponible sur Android, console de jeu, PC, Mac, bref, il est partout. Tous les gamins en parlent. J'ai parlé de Fortnite. Alors oui, si vous voulez gagner de l'argent, faites un jeu qui crée le buzz. Et il y a des jeux. Ça, c'est un jeu en 3D. C'est un jeu qui a demandé un développement phénoménal. C'est 100, je vous rappelle, si vous connaissez pas, c'est 100 personnes qui sont larguées en même temps sur une île, chacun connecté derrière son appareil et qui doivent faire... Mon gamin, il arrête pas de dire ça, Raphaël, il arrête pas de dire « Hey, j'ai fait top 1, j'ai fait top 1 ». Sachant qu'il y joue pas, hein, parce qu'il a juste le... Excusez-moi, il a juste le... Il sait que ça existe, mais on n'a pas les appareils suffisamment puissants, puis on n'est pas très pour, vous le savez très bien. Top 1, c'est-à-dire finir le dernier sur cette île à avoir zigouillé tout le monde. Voilà le principe du jeu, ça s'appelle du Clash Royale, si je dis pas de bêtises. Battle Royale, voilà, c'est ça le terme exact. Et ça fait un tabac. Mais il y a des gens qui font des tabacs avec des jeux beaucoup plus simples et beaucoup plus... entre guillemets, bête, basique. En fait, j'ai envie de dire, il suffit de créer un jeu addictif et c'est parti, c'est la mode actuellement. Je vais vous dire un truc, il y a d'autres moyens de faire de l'argent, facilement, je sais pas, mais il y a d'autres moyens de faire de l'argent, de gagner de l'argent, sans créer un jeu, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas forcément donné à tout le monde de réussir dans la création d'un jeu vidéo, on est bien d'accord, mais il y a d'autres moyens de gagner de l'argent, soyez-en convaincus. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette TechniNews. Je vais vous annoncer quelque chose ici que je vais annoncer sur un live tout à l'heure. Alors, je sais pas quand vous voyez cette capsule. Je vais annoncer sur ma page pro. J'ai
Les TechniNews, vous le savez, qui sont totalement gratuites. Quand vous allez sur mon site, il y a une formation gratuite qui s'appelle « Les nouvelles technologies pour tous ». C'est une formation qui permet à tout le monde gratuitement d'avoir accès à des formations avec ma bibine pour vous expliquer comment ça se passe sur les nouvelles technologies à différents niveaux, du plus basique ou un petit peu plus complexe, mais ce sont... C'est un regroupement de formations, de tutos, etc., etc. Je viens de lancer une formation qui s'appelle Maîtriser les nouvelles, les présentations. Maîtriser vos présentations, PowerPoint, Keynote et Google Slide. C'est une formation avec 6 heures de contenu qui termine par à peu près 2 ou 3 heures à vous expliquer comment vous servir ces applications pour faire du graphisme, de l'image, pour publier sur vos réseaux sociaux et ailleurs, ou faire des intros et des outros vidéo pour vos différents contenus. Cette formation actuellement, elle est à 67€, moins 60% de réduction jusqu'au 15 octobre inclus, donc profitez-en, 60% de réduction, ça vous fait un petit peu moins de 27€. Et là, je vais lancer en précommande une formation, l'achat d'une formation que je vais tourner très rapidement, qui va sortir, je pense, dans les 15 jours qui viennent, si la météo est avec nous, avec moi, mais pour l'instant, c'est pas le cas, puisque c'est une formation pour vous apprendre à filmer comme un professionnel avec une caméra que vous avez déjà dans votre poche, j'ai nommé votre smartphone. Donc, c'est une formation qui va être complète, on va parler de matériel, on va parler de techniques de tournage, on va parler de montage, on va parler de monter une chaîne YouTube, de mettre en ligne, etc., etc. C'est une formation complète qui va sortir à 147€ exactement et que je vais vous proposer d'acheter en précommande, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui rien n'est tourné, en précommande à 27€. Vous avez bien entendu, à 27€, je fais un live tout à l'heure, mais j'avais envie de vous le dire ici. Merci de faire circuler l'information sur tout ce que je fais, si vous aimez ce que je fais. Partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule de TechniNews. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Ciao, bye bye.